J'habite Neuville parce que j'y suis né et lorsqu'on se sent bien quelque part, on n'a pas envie de changer. On a choisi cette maison-là parce qu'on trouvait tout ce qui nous intéressait, tout ce qu'on voulait développer, l'espace, la convivialité. La cave. Neuville a été sans aucun doute un plus pour mon métier, de par les rencontres que j'y fais, parce qu'il y a quand même un gros tissu musical sur Neuville, que ce soit avec le festival de jazz, que ce soit avec d'autres musiciens, il y a énormément d'artistes, on a la chance d'avoir un super luthier. Alors le rapport entre Madagascar et Neuville du Poitou, c'est le bois. Le bois, je construis des guitares en palissandre ici de Madagascar. Et à Neuville de Poitou. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses à Neuville en jazz, des anecdotes, souvent des papiers mamie croyant venir à un bal musette, et puis ils ont découvert le jazz, ils ont trouvé ça énorme, et depuis ils écoutent du jazz, et je trouve ça génial. J'ai toujours chanté toute ma vie avec les enfants, donc ils sont très très bien, ils sont de plus en plus motivés. Au début, ils se demandent un petit peu ce qu'ils font là tous ensemble, et puis au fur et à mesure, quand on leur apporte un répertoire sympa et puis entraînant et tout, les enfants ils mordent et c'est vraiment très très sympa. J'ai ma maison. Parce que j'ai ma famille. Parce que c'est trop bien. Parce que j'ai une école. Parce qu'on a une maîtresse. Parce qu'on a plein de choses. La fête de la Saint-Jean, c'est mythique à Neuville. Moi, je l'ai découvert par hasard. Et c'est une fête qui est extraordinaire. Avec des bandas, avec une ambiance de folie. Oui, j'adore. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là. Il faut faire toutes les mesures au mètre carré, calculer le nombre de flonflons qu'on doit acheter et qu'on doit faire. Il faut qu'on trouve un thème qui colle au défilé et qui soit en même temps pas repris par d'autres chars. Et après, il y a toute une équipe de son, de lumière pour faire le char. Pour un Américain qui viendrait découvrir Neuville, ça serait en priorité pour moi le marché, avec les commerçants qui sont d'un contact humain et d'un partage. C'est extraordinaire et pour lui montrer ce que c'est que la vie vraiment en France. Et beaucoup connaissent le marché, c'est marrant, mais le marché est connu jusqu'au Québec. Le marché, on y trouve des producteurs, on trouve des commerçants qui sont là, qui viennent depuis très longtemps, qu'on finit par connaître. Et puis, parce que j'ai la chance de pouvoir y venir à pied, chercher ma douzaine d'huîtres le dimanche matin. Alors, la classe, non ? Super, les crevettes. Allez, 25 euros la boîte. C'est convivial, c'est bon enfant, c'est le bonheur. Alors moi je suis attaché vraiment aux produits de la région, je ferai tout pour acheter mes fruits, mes légumes en local.
J'achète mon vin, j'essaye de faire découvrir le vin local. Parce que ça a quand même été une commune axée sur les caves du Haut-Poitou. Le renouveau de la cave du Haut-Poitou maintenant. On a vraiment un terroir où les sauvignons s'expriment très bien. On a des arômes fruités assez fins. Avec une bouche ronde, agréable, et ça aussi bien sur les sauvignons blancs que sur les sauvignons gris, qu'on appelle ici fier gris. Où est-ce qu'on peut voir un bon coup à Neuville ? Eh bien, un bon coup à Neuville sur la place Le Carrosse, par exemple. Il a une terrasse ensoleillée, c'est super. Un pot sympa, des produits sympas avec des prix sympas. Mais c'est Chéricot, ce Neuvillois. À Neuville, pour boire un bon coup, moi je vous conseillerais le PMU. C'est vraiment l'endroit le plus sympa et vous pourrez jouer sur le bon cheval. Il y a une certaine petite ambiance dans certains bars que je retrouve au Pays Basque. Quoi. C'est le truc cordial, familial. C'est même carrément extraordinaire qu'un village qui est quand même pas énorme propose autant de choses. À chaque fois que j'ai un petit cadeau à faire, je fais mon petit panier gourmand avec l'huile de noisette, de l'huilerie qui est extraordinaire, l'huilerie de Neuville. Alors ça, c'est du pur neuvillois, hein, de la bonne noix du Poitou. Et avec cette belle noix du Poitou, je vais vous faire ça, une super huile vierge de noix. La bière de Bellefoy qui est délicieuse. Pourquoi elle est bonne ? Parce que c'est une bière fabriquée de manière traditionnelle. Et en plus, elle est fabriquée localement avec les orges de la plaine de Neuville. Un petit fromage de chèvre, un petit broyé du Poitou, je fais un carton à chaque fois. Le fromage de chèvre, c'est pareil, c'est du local, on a du chèvre, non, on consomme du chèvre, on ne peut pas faire autrement que consommer du chèvre. C'est des recettes marocaines qui mélangées avec les chèvres et tout, ça donne un bon goût. Pour mes chips de chèvre, là, ça va être bien parce que je vais faire des petites chips sur ma recette. Donc je vais vous prendre celui-ci et je vais vous prendre bien sûr deux blancs crémeux pour ma crème de chèvre fermier. Hein, on était trois marchands, un à côté de l'autre, là, sur le bar. Et puis moi, quand j'étais à mon compte, on était deux. Je ne sais plus tout ça. Une trentaine d'années. 30 ans ? Ouais. J'étais avec mon père. C'est moi, c'est une culture que je veux garder. Je veux avoir une campagne vivante. Je veux des haies. Je veux pas que des céréales. Je dirais pas le bonheur est dans le pré, puisque finalement il n'y a pas beaucoup de prés sur nos villes, mais le bonheur est dans les champs. Voilà, si on peut dire ça. La plus belle prise. Je pense que ça va être une truite qui avait été prise dans une rivière du secteur de 62 cm. C'est comment ça ? Ça fait quoi ? Montrez avec vos bras. C'est une truite qui fait bien ça. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Dédé du Poitou ? Oui, certainement. Est-ce que vous connaissez Dédé de Neuville de Poitou ? Non. Je cherche partout. Lequel ? Non, je ne le connais pas du tout. Il faut que vous le connaissiez, c'est quelqu'un de formidable. C'est vrai ? Aussi chouette que vous. Allez, ouais. On va le chercher. Allez. Allons-y. Ça marche. C'est toi le vrai Dédé ? Oui. T'es le Dédé de Neuville-du-Poitou ? Dédé de Neuville-du-Poitou, oui. André Dédé. Et ils te connaissent dans le pays, hein ? Surtout pour la musique. Ah, j'aurais pu le préparer. Mais tu sais, je suis pas outillé. Ah, mais si, t'as déjà un appareil. Je suis pas outillé. Mais enfin, j'ai ton disque, là. Ça fait comme ça. Je te fais voir ce que j'ai fait ce matin. Ah. Qu'est-ce que t'as fait ? Tiens. Oh ! Il fait bon vivre à Neuville, il y a des belles prunes, il y a des mirabelles partout. Moi, je suis fille de la forêt, à la base. Là, il n'y a pas de forêt dans le coin, mais la pierre, non, c'est le style des maisons. Dès qu'on a acheté la maison, on a eu deux petites chiennes et ça a fait le bonheur de nous trois, donc c'était super. Alors là, on est sur le dolmen, point culminant de Neuville, et avec une vue extraordinaire sur la plaine. J'habite dans un endroit qui s'appelle le Chiron, qui veut dire en patois tas de pierres. Puisqu'on en a quand même beaucoup, des petites ruelles assez cachées, un petit peu, tranquilles.
Cette truite a charme fou, c'est vrai. Ouais. Il faudrait la conserver. Moi, je trouve que les... un peu en ruine, mais les ruines, ça peut être très beau. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des petites alcôves derrière, le... derrière la rue de Jeanne d'Arc. Alors, pourquoi faire ? Voilà, là, ils veulent que je revienne avec une nouvelle écharpe en tant que Miss Poitou-Charente, évidemment. Alors, le baiser volé dans Neuville serait peut-être au jardin public sous le kiosque. Mais si, c'est pas mal sous le kiosque pour un petit baiser volé. Ça fait qu'il a. C'est une valse. Je sais pas danser la valse, moi. Moi non plus. Quand ils étaient petits, beaucoup de tours en poussette et ça, c'était super agréable de découvrir les commerçants et tout ce qu'il y avait autour. Avec du bon pain, avec les chocolats qu'on fait nous-mêmes, qu'avec des produits de qualité, les gâteaux qu'on fait nous-mêmes aussi. Alors Neuville, c'est la ville où j'ai eu la médaille d'or des rillettes. Beaucoup de mouvements sur cette ville, c'est très ancien, je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être au marché, peut-être... la façon de vivre des gens, leur dynamisme, mais toujours est-il que c'est encore une petite ville qui vit bien. Ça se passe vraiment bien. Il y a des échanges aussi entre elles. Il y a beaucoup d'échanges. Des dames qui ne se connaissent pas s'échangent des numéros de téléphone lors de l'atelier pour se voir ensuite. Et ça c'est chouette. Si j'ai pris une affaire comme ça, c'est parce que je voulais justement avoir du contact, le plaisir des gens, les voir, discuter avec eux, et puis c'est important ça. À l'entrée de Neuville, il y a une grande affiche où c'est noté « Ici, vivez votre projet ». Et j'en suis la preuve. C'est vrai que c'est Maltier le Malotier Paris, mais malgré tout, on aime bien faire venir nos clients ici, que ce soit nos clients américains, chinois ou sud-africains, enfin peu importe, parce qu'on valorise le terroir. Et je trouve ça intéressant de les faire venir à Neuville, dans un environnement un peu caché, où on vient leur présenter vraiment nos savoir-faire. J'ai réclamé pendant 6 ans à mon directeur de société un magasin sur Neuville. J'ai pas besoin, moi, personnellement, de m'isoler sur Poitiers pour faire quoi que ce soit. J'aime cette commune parce qu'elle est dynamique et elle est surtout attractive avec de nombreuses associations. Alors, c'est une ludothèque itinérante qui s'appelle Place Ludique. On a choisi ce concept parce qu'on voulait aller vers les gens. J'aime les gens. C'est pour ça que je suis dans le monde associatif aussi. De venir jouer, en gros, c'est venir rencontrer avant tout. J'ai commencé à 14 ans avec le club de football en entraînant les petits. C'est ça que j'aime dans le jeu. Voilà, c'est que c'est intergénérationnel. Papy et mamie peuvent venir avec leurs enfants, ils vont y trouver leur place. Le pays neuvillois constitue un endroit idéal pour faire de la course à pied. On a des belles plaines pour s'entraîner. On a une très belle campagne autour de Neuville-de-Poitou. Mais ils sont sympas parce qu'ils courent avec moi. Nous avons lancé en 1969 une activité qui s'appelle le motoball, qui compte énormément pour la ville de Neuville-de-Poitou. Donc aujourd'hui, ça attire beaucoup de monde. Neuville fait parler de lui grâce au motoball et il faut que ça perdure. Ça sort beaucoup les Neuvillois, donc c'est superbe. J'ai toujours fait de la mécanique et du coup, j'ai connu le motoball étant jeune. Cette année, on a réussi à avoir le titre de champion de France. Ça faisait 21 ans qu'il n'avait pas été gagné en junior à Neuville. Dans ce sport, j'aime beaucoup le côté familial, le côté amical. Les gens se retrouvent au terrain, tout le monde discute, les gens sont de Neuville, ils se connaissent tous. Donc c'est ce qui est super, on fait sortir les gens dans Neuville. Tu vas bien ? Ouais. On fait rouler des Yamaha en tant qu'équipe officielle en championnat du monde d'endurance. Et on est dans une position centrale pour les circuits en championnat de France aussi. Et puis la vie est quand même nettement plus agréable ici qu'au bord du périphérique. Ah voilà, une ville internationale. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette commune, il y a un tissu associatif qui est fort, dynamique. Au niveau des activités sportives pour les enfants, autant pour les ados, autant pour les adultes. On peut nager avec nos enfants, faire des compétitions avec nos enfants. C'est très original d'avoir un bassin nordique à Neuville. C'est une piscine qui est ouverte sur une période de 6 mois, des vacances de Pâques jusqu'aux vacances de la Toussaint et tout en plein air. Mon plus beau souvenir, lorsque j'ai joué au football à Neuville, hein, j'ai pas joué longtemps, un an, mais bon, c'était quand même parce qu'à ce moment-là j'étais gamin et puis c'était vraiment avec le collège et tout, c'était tout un ensemble. Voilà.
Oui, c'est moi le buteur. Oui, c'est moi le buteur. Non, mais c'est pas que moi le buteur, c'est un groupe. Et marquer, c'est pas important, c'est gagner qui est important. Marquer un but de plus que l'adversaire. Ah. Donc oui, Neuville, ville joueuse. Le symbole de Neuville, cette église avec ce château d'eau derrière. Donc je pense que je la reprendrai aujourd'hui parce que tout autour ça a changé, mais l'église est toujours là, le château d'eau aussi. L'alignement église, château d'eau, mairie, eh bien je crois que c'est une invitation à avancer ensemble. Parce que dès que j'ai pris ma retraite, je me suis occupée des gens qui demandaient de l'aide pour des aides à la maison, etc. Et je faisais les dossiers. Et au bout de cette rue, nous avons fait notre photo de mariage en 63. Alto. Tout est français. Bien sûr, les gens, les commerces, c'est tout à fait différent d'Angleterre. Nous aimons beaucoup le sentiment de communauté, parce que Neuville, pour nous, c'est une ville des bénévoles. C'est parfait pour nous. Oui. Ça, c'est bien parce que super. Tu l'as mis. Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et ça, ça te fait plaisir. Oui, ça, ça me fait plaisir. Je sais que ça fait plaisir. Ouais. Le point commun entre Neuville et mon pays natal est la chaleur humaine, l'écoute et l'accueil, tout simplement. Parce que je vis dedans et j'aime bien les gens qui y vivent et on partage beaucoup de choses. Et aujourd'hui, pour rien au monde, on a envie de partir. Parce que je ne sais pas le dire autrement, parce que...